C'est le premier d'une longue série, on l'espère. La NCI vient de recevoir le prix de la meilleure chaîne de télévision d'information de Côte d'Ivoire en seulement 12 mois d'existence. Vous êtes donc sur le bon canal, sachez-le. Le prix a été décerné par les Awards des entreprises lors de sa deuxième édition vendredi dernier. Un prix mérité selon le directeur de l'information Nadjaïdja, Eric Kimo. Le 12 décembre dernier, un an, jour pour jour, après son premier JT, la nouvelle chaîne ivoirienne a reçu la distinction de la meilleure chaîne d'information lors de la deuxième édition des Awards des entreprises. Une belle récompense pour une jeune entreprise qui mise sur le travail d'équipe. Cette distinction tombe à propos puisque ça tombe exactement un an après le lancement de NCI. Donc je voulais, donc au nom de la direction générale, dédier cette distinction à l'ensemble du personnel de NCI. Mais quand je dis l'ensemble, c'est vraiment à tous les niveaux, dans tous les services, parce que c'est une équipe qui se bat d'arrache-pied pour offrir aux Ivoiriens le meilleur de la télévision. Pour produire l'information, c'est de cette salle de conférence que tout part. L'équipe composée de jeunes s'attelle à proposer des sujets toujours plus proches de la population. Chaque matin, la première question que je pose en conférence de rédaction, dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos communes, est-ce qu'il n'y a pas de sujets qui méritent qu'on s'y arrête, qu'on y prête attention? Parce que nous voulons être cette télé-là qui est le miroir de la société ivoirienne. Au bout d'un an passé ensemble, ces journalistes ont appris à se familiariser. Pour le directeur de l'information, ce qu'il faut, c'est toujours garder le cap. Merci à tous nos téléspectateurs, nos internautes, parce qu'une chaîne qui n'est pas suivie ne reçoit pas de prix. Nous prenons l'engagement d'essayer de faire mieux que ce que nous avons fait en 2020. 2021 sera une nouvelle année, un nouveau tournant, avec de nouveaux objectifs et de nouveaux challenges. Nous sommes prêts à aller affronter ces challenges-là et espérer, pourquoi pas, in fine, en fin 2021, avoir d'autres prix. 2021 s'annonce comme une année de challenge pour maintenir cette position de leader.